السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. اليوم سنتابع تصحيح الفرض المحروس النموذج الأول من السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية، ومع التمرير رقم 3 لتكون f و g دالتين عدديتين للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي: f لx يساوي x مربع ناقص 4x زائد 5، و g لx يساوي x زائد 1 على x زائد 3. السؤال الأول: ضع جدول تغيرات كل من f و g، c'est-à-dire donne le tableau de variation de chacune de ces deux fonctions. قبل أن نجيب على السؤال، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد القناة. إذا على بركة الله، قبل أن نبدأ في تصحيح السؤال الأول، نذكر أولا بقواعد الدرس التي تخص هذا النوع من الدالتين. إذا بالنسبة للدالة fx pour la fonction f c'est une fonction trinôme ou bien une fonction polynôme polynomial de second degré. Alors, وبالنسبة لا فونكسيون جي كتسمى اون فونكسيون هوموغرافيك باسكو il s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d. Donc pour le tableau de variation, je donne un petit rappel. Donc un rappel: si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme f de x, c'est-à-dire une fonction trinôme du second degré, ax carré plus bx plus c, d'abord le tableau de variation, donc soit la fonction sera décroissante puis croissante, ou bien croissante décroissante, bien l'inverse. C'est-à-dire la représentation graphique de cette fonction, c'est une parabole. Donc la parabole, soit elle est orientée vers le haut, comme ça, soit elle est orientée vers le bas, c'est-à-dire l'inverse, comme ça. Alors, soit nous avons une fonction qui sera décroissante puis croissante, ou bien elle est croissante puis décroissante. Donc, chacune de ces deux paraboles est caractérisée par un sommet. Donc, ce sommet-là, il est d'abscisse moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Voilà. Donc, d'abord, le signe de a est très très important, puisque cette figure, cette première figure, on l'obtient si nous avons A positif. Et c'est la deuxième si nous avons A négatif. Donc, ici, donc si A est négatif, positif, pardon, je commence par le premier cas positif, alors le tableau de variation sera comme ça. Voilà. Donc, j'écris ici X. Ici, j'écris f de x. Puisque c'est une fonction polynomiale, alors il est défini sur R, moins l'infini plus l'infini. Ici, on écrit moins b sur 2a. La fonction ici, a est positif, alors il sera décroissante puis croissante. Et ici, l'ordonnée du sommet de ce parabole, alors, c'est f de moins b sur 2a. F de moins b sur 2a. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. Si nous avons A négatif. Donc si A négatif, alors le tableau ressemble à ça. Voilà. Donc x, toujours moins l'infini plus l'infini. Ici, j'écris moins b sur 2a, la fonction fx, il sera croissante, puis décroissante, croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. Ici, j'écris l'image de moins b sur 2a par la fonction f. Voilà. Donc, appliquons cela à la question. Donc, dans cette question, nous avons a égale à 1, puisque ici c'est 1x au carré, moins 4x, b c'est moins 4 et c c'est 5. On s'intéresse à a et b. Donc, alors, on a, pardon, donc j'écris d'abord la fonction que j'ai dans cette question. On a fx égale x au carré moins 4x
moins 4x plus 5. Moins 4x plus 5. Alors A ici égale à 1. C'est le coefficient de x carré. B égale à moins 4. C égale à 5. Voilà. Donc, je calcule moins b sur 2a égale. Donc, je substitue la valeur de b égale à 4. Donc, c'est moins 4 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc, le résultat, moins avec moins, ça donne plus. Donc, c'est 4 sur 2 égale à 2. A, bien sûr, est positif. Alors, le tableau de variation sera comme cela. Voilà. Ici, j'écris. Voilà. Ici, j'écris x moins l'infini plus l'infini. Ici, j'écris 2. Donc, ce 2-là que j'ai trouvé ici, je l'écris ici. Et la fonction, c'est la fonction f de x. Ou bien j'écris variation de f, peu importe. La fonction, puisque a est positif, sera décroissante, puis sera croissante. Mais c'est quoi l'image de f2? Donc, je calcule f de 2. F de 2, c'est 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 5, égale à 4, moins 8. Plus 5 égale à 1. Donc, au lieu d'écrire F2, je peux écrire 1. Tout simplement. Passons maintenant à la fonction g. Donc, la fonction g, on a aussi g de x égale à x plus 1 sur x plus 3. Il demande de donner son tableau de variation. Donc, pour donner le tableau de variation, on fait un petit rappel pour les fonctions homographiques qui s'écrit sous la forme g de x égale à ax plus b sur cx plus d. Donc, c'est une fonction rationnelle et plus précisément, il s'appelle une fonction homographique. Donc, je calcule d'abord. Le déterminant. Donc, si A, C, B, D égale qui A fois D moins C fois B est positif, alors la fonction sera croissante. Alors, on a D de F d'abord. D de F, c'est R privé de moins D sur C. Donc c'est très très important puisque on aura besoin de ça dans le tableau de variation. Donc je trace le tableau de variation dans ce cas-là. Voilà. Ici x. Et ici j'écris g de x. La fonction n'est pas définie en moins d sur c. Donc, si ce nombre-là, qui a fois d moins c fois b, est positif, alors la fonction sera croissante, croissante. Il est défini de moins l'infini, moins d sur c, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Bon, ça c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire le cas contraire, si vous avez le déterminant négatif, A, B, C, D, ce nombre-là, qui est égal à A fois D moins C fois B, est négatif. Alors la fonction sera décroissante, décroissante. Donc, le tableau de variation sera quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. J'écris ici X. Ici, toujours moins d sur c, plus l'infini, moins l'infini. Ici, j'écris g de x n'est pas défini,
deux barres parallèles, la fonction sera décroissante dans les deux cas. Décroissante, décroissante. Il n'y a rien à calculer comme image puisque la fonction n'est pas définie en moins d sur c. Alors appliquons cela à notre fonction. La fonction que nous avons est g de x égale x plus 1 sur x moins 3, plus 3. Alors, ici, d de g, c'est-à-dire le domaine de définition de g, c'est r privé de quoi? De moins 3. Puisque le dénominateur ne doit pas être nul. Donc x plus 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3. Ça, c'est entre parenthèses pour que vous compreniez d'où vient le domaine de définition. Alors, on calcule aussi le nombre a. Au lieu d'écrire a, on va écrire 1, puisque ici, nous avons 1 fois x et ici 1 fois x. Donc ici j'écris 1 et en dessous aussi 1. Le nombre b, ax plus b est aussi égal à 1. Il est égal à 1. Et d égal à 3. Donc ce nombre-là est égal à 1 fois 3. 1 fois 3 moins 1 fois 1. 1 fois 1. Donc est égal à 3 moins 1. Égal à 2, qui est positif strictement. Alors la fonction sera croissante strictement sur son domaine de définition. Donc g est croissante sur les deux intervalles. Sur les deux intervalles. Moins l'infini, moins 3. Et moins 3 plus l'infini. Alors, le tableau de variation sera le suivant. Voilà. Donc, j'écris ici x, ici moins l'infini plus l'infini. On écrit ici moins 3. La fonction n'est pas définie en moins 3. Et la fonction g de x, elle est croissante strictement sur les deux intervalles. Donc, je représente cela avec une flèche qui monte, comme vous voyez dans le tableau. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, il dit quoi? Donc, il dit, deuxième question, soit h, une fonction définie par une fonction définie par h de x égale à x au carré moins 4x plus 6 divisé par x au carré moins 4x plus 8. La première question, c'est de déterminer son domaine de définition. Donc, petit a, déterminer d de h. Alors, pour que x appartient à d de h, ça équivaut à quoi? Le dénominateur doit être non nul, puisque c'est une fonction rationnelle. Ou la fonction rationnelle, c'est qu'on fait basse ton maqam, ou le maqam, c'est qu'on fait basse ton maqam, yani x au carré moins 4x plus 8 doit être différent de 0. عندنا هنا بليزيور ميثود باش نحلوا هذه المعادله مي راح دو معايا انه يمكن لنا نستعملوا الجذور البديهيه يمكن لنا نستعملوا التعميم يمكن لنا نستعملوا متطابقات هامه يمكن نستعملوا المميز دلتا سادير لو ديسكريمينون دلتا مي بيسك هنا عندنا لو ديبي دون ايدونتيتي ريماركابل كيف ما تشوفوها هي هذه ديبي دون ايدونتيتي ريماركابل سيلبر دونك اكس كاري موان 4 اكس دونك شنو باقي ناقصنا باقي ناقصنا 4 Donc plus 4, puisque d'abord que melette, il y a dit il y a x moins 2 le tout au carré, plus 4, puisque 4 plus 4 ça donne 8. Donc les deux, parce que dina 8 au xna, dina 4 plus 4, c'est différent de 0. Alors, on a résolu x moins 2 le tout au carré, plus 4,
différent de 0. Donc ça c'est équivalent à x moins 2 au carré différent de moins 4. Donc كيف ما تلاحظوا هذا لو نومبر هذا اللي عندنا هنايا il est positif ou هذا il est négatif. Ça c'est toujours vrai. Toujours vrai puisque le nombre positif est différent du nombre négatif. Alors, ملي كنحصلوا على واحد الشرط اللي ديما محقق او واحد العلاقه اللي ديما محققه, alors هنا تنقولوا d de f égale à r. Alors d de h donc d de h égale r, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Passons maintenant à la question suivante. La question suivante, il dit quoi? Petit b, montrer que pour tout x appartient à d de h, qui est bien sûr égal à r, que hx moins inférieur bien sûr à 1 et supérieur strictement à 1 demi. Ici nous avons O égal. Donc pour montrer cette double inégalité, je dois bien sûr la diviser en deux inégalités. Donc je commence par hx est inférieur à 1. Puis je montre que hx est supérieur à 1 demi pour que la tâche soit facile pour moi. Alors, je commence par la première inégalité. Donc, montrons que hx pour tout x appartient à dh, hx est inférieur à 1. Alors, pour montrer cela, je dois calculer la différence. Donc, soit x appartient à r, soit x appartient à r. Hx moins 1 égale. Donc j'écris la différence. X carré moins 4x plus 6 sur x carré moins 4x plus 8 moins 1 égale à quoi? Je mets les deux au même dénominateur. C'est égal à x carré moins 4x plus 6 moins. Là, il faut faire attention. Les nombres. غادي يكونوا نضربوهم في موان زان غيوليو نيجاتيف. دونك غتولي هنا موان اكس كاري, هنا موان زان في موان 4 غتولي بلوس 4 اكس, وهنا موان 8 فوا موان زان فوا 8 سي موان 8, لو تو ديفيزي بار اكس كاري موان 4 اكس بلوس 8. اذا سا ايت ايكال ا كوا؟ لاحظوا معايا هنا عندنا دي تيرم كي سون اوبوزي, x carré moins x carré plus 4x moins 4x. Et pratlina 6 moins 8, c'est moins 2. Le tout divisé par x au carré moins 4x plus 8. On a déjà bien dit que le terme est positif strictement. Strictement positif. C'est-à-dire ce terme, il est supérieur à 0. Et ce terme-là, qui est moins 2, il est inférieur strictement à 0. Alors le résultat final est inférieur strictement à 0. Donc, pour tout x appartient à R, hx moins 1 est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, pour tout x appartient à d de h, hx est inférieur strictement à 1. Passons maintenant à la deuxième inégalité, c'est-à-dire passons maintenant à montrer que hx pour tout x appartient à dh, hx il est supérieur ou égal à 1 demi. Donc je fais la même chose et je calcule la différence.
Donc, soit x appartient à R, soit x appartient à R. Alors, hx moins 1 demi égale, c'est x au carré moins 4x, pardon, moins 4x plus 6 sur x au carré moins 4x plus 8 moins 1 demi égale. Donc, je mets les deux au même dénominateur, ces deux fractions. Donc, je multiplie ici par 2. Et ici, je multiplie 1 par x au carré moins 4x plus 8. Donc, x au carré, donc, je multiplie ce terme-là, qui est au numérateur de cette première fraction, fois 2. Donc, ça devient 2x au carré moins 8x plus 12. Et je multiplie le deuxième numérateur fois le premier dénominateur, c'est-à-dire moins 1 fois x carré, c'est moins x carré. Moins 1 fois moins x au carré, c'est plus 4x au carré, plus 4x, pardon. Moins 1 fois plus 8, c'est moins 8. Le tout divisé par x au carré fois 2, bien sûr, moins 4x plus 8. Donc je continue la simplification. Et 2x carré moins x carré, donc ces deux termes-là donnent x au carré. Moins 8x plus 4x, ça donne moins 4x. 12 moins 8, ça donne plus 4. Tout divisé par 2 facteurs de x carré moins 4x plus 8. Donc enfin, c'est égal à quoi? Est égal à x moins 2 puisque le numérateur est une identité remarquable. Moutatabiqa il y a x moins 2 au carré. Ou le maqam, ou 2x carré moins 4x plus 8. Ça n'a pas bien le dénominateur sera positif strictement. Ou le numérateur, il est positif ou nul. Alors, si x égale à 2, rien qu'il y a des sauts au safar. Et donc, il y a un mot à sauts. يعني ممكن يكون منعدم نول alors pour tout x appartient à d de h hx moins 1 demi est supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire d'où pour tout x appartient à d de h c'est-à-dire r hx il est supérieur ou égal à 1/2. Donc la conclusion, pour tout x appartient à d de h, qui est r, hx est compris entre 1 et supérieur ou égal à 1/2. Voilà la réponse de la deuxième question. Petit b. La troisième question, petit c, vérifiez que petit c, il demande de vérifier, donc vérifier que pour tout x appartient à d de h, on a hx, c'est la composée de deux fonctions gf, c'est-à-dire gérant f de x. Alors, donc, commençons par ce terme-là et essayons de trouver hx. C'est-à-dire, on a, donc, en fixant x, donc, soit x appartient à d de h, gérant f de x égale à g de fx, d'après la définition de la composée de deux fonctions. Donc, c'est g fx. Comme vous savez, c'est x au carré moins 4x plus 5. Et pour g de x, c'est x plus 1 sur x moins 3. C'est-à-dire, au lieu d'écrire x, on va la remplacer x par cette expression-là. On va la remplacer par toute cette expression qui est x carré moins 4x. Et aussi la même chose pour ce x-là. D'accord? Alors,
cette expression g de x carré moins 4x plus 5 sera égale à quoi? Égale à x carré moins 4x plus 5 plus 1 sur x au carré moins 4x plus 5 plus 3. Là, moins 3, mais plus 3. Donc, cela égale à quoi? Égale à x carré moins 4x, 5 plus 1, c'est 6, divisé par x au carré moins 4x plus 8. Et voilà, cette expression, c'est la même que hx. Donc, ça, c'est hx. Donc, conclusion, pour tout x appartient à dh, hx égale à g rang f, c'est-à-dire la composée des deux fonctions g et f. Alors, au sein de la dernière question, petit d, étudions la variation de h sur 2 plus l'infini et moins l'infini 2. هنايا حاولت نلخص داكشي اللي وصلنا ليه في السؤال الاول. بروميير كيسيون، حطيت هنا لو طابلو دو فارياسيون دو اف او لو طابلو دو فارياسيون ديال جي. تقول لي استاذ لماذا؟ لان فقط غادي نحتاجهم انا، مش من يكونوا المعلومات قدامي واضحين وانتم تقدروا تتبعوا معايا. ولكن هنايا بالنسبه لرتابه مركب دالتين، ستادير لي فارياسيون دو لا كومبوزي دون فونكسيون، هنا خاصنا نردوا البال لان كاين قواعد خاصها تطبق وبشكل جيد. اذا هنا مثلا ندير واحد لو بتي رابيل ديال هذه المساله هذه. دونك في التغيرات داله مركبه. دونك سي نو افون اش اف اي جي باردون دو فونكسيون ديفيني سور اي اي جي، بيان سور اف ديفيني سور اي و جي ديفيني سور و جي ديفيني سور جي، تيل كو اف دو اي اي انكلو دون جي. هنا كنشوفوا ليماج ديال الانترفال اي بار لا فونكسيون اف، خصو يكون انكلو دون جي. دونك سي نو افون عندنا أربعة الحالات. سي نو زافون اف اي جي كرواسونت، يعني اف تكون كرواسونت على اي و جي تكون كرواسونت على جي، الوغ كنقولو بأن جي رون اف لا كومبوزي دو لا فونكسيون اي كرواسونت سور اي. داكوغ، هنايا إلا كانت اف كرواسونت سور اي و جي دي كرواسونت سور جي، الوغ جي رون اف دي كرواسونت سور اي. و إلا كان عندنا اف croissant décroissant sur i ou g croissant sur i, alors g rend f décroissant sur i. Akhir hala, il a qu'un f décroissant sur i ou g décroissant sur j, alors g rend f croissant sur i. باش نبسط عليكم المساله، يعني بحال الشكل ديال عمليه الضرب. الى عندنا نفس الرتابه، يعني راه كتكون المركبه كتكون تزايديه كرواسونت في الحاله الاولى وفي الحاله الاخرى، واذا كانوا مختلفين في الرتابه راه كتكون مركبه تناقصيه. هذه بخلاصه صافي. اذا نمشيو ونطبقوا هذا الشيء هذا في هذا السؤال هذا. دونك اذا اول حاجه غنبداو ب لا فونكسيون اف ونشوفوا شنو هي لي فارياسيون ديالها على لا فونكسيون على الانترفال 2 بلس لانفيني. دونك نكتب هنايا اون هنقول نهضروا بعدا على الانترفال نسميوه اي اللي هو الانترفال 2 بلس لانفيني. داكوغ، وبنفس الطريقه غنشوفو الانترفال الثاني. دونك عندنا بغينا ندرسو الرتابه ديال اش، و اش هي مكتوبه على شكل جيرون اف. اذا غنبداو باف هي الاولى. دونك اون اف اي كرواسونت و ديكرواسونت سوغ هاد الانترفال، يعني واش تزايد ولا تناقصيه. نرجعو للجدول، اف ها هي تزايديه على المجال 1 بلس لانفيني. شنو هي صورة المجال؟ صورة المجال هي واحد بلس لانفين بلا فونكسيون اف. دونك اذا لاحظوا معايا، اذا عندنا اف اي لي كرواسونت سور دو بلس لانفين. مسألة أخرى، أننا غنمشيو نحسبو اف دو اي، يعني سيتادير اف دو اي. شنو هي اف دو اي؟ f de i هي f ديال هاد الانترفال 2 بلس لانفيني. هاد الانترفال 2 بلس لانفيني كيساوي ليماج ديالو من جدول التغيرات دابخي لو تابلو دو فارياسيون، ليماج ديالو هو 1 بلس لانفيني. اذا نكتبوها 1 بلس لانفيني.
هاد الانترفال 1 بلس لانفيني اللي تانكلو كاين ضمن الانترفال موان 3 بلس لانفيني. علاش اختاريت انا موان 3 بلس لانفيني؟ لاناش نهتم بالجي او بلا فونكسيون جي موان 3 بلس لانفيني. دونك اور جي كيفاش داير على الانترفال موان 3 بلس لانفيني؟ اي اوسي كروسونس سور الانترفال موان 3 بلس لانفيني. داكوغ؟ Et de même, elle est croissante à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, d'après le rappel, gérant f est croissante sur, ou il y a bien sûr h, sur 2 plus l'infini. Il y a l'intervalle i. Ça fait donc, si, là, sur l'intervalle moins l'infini, sur l'intervalle moins l'infini, je chauffe fois raqat fard moins l'infini 2. Donc sur l'intervalle moins l'infini 2, on i égal, on i prime, مثلا moins l'infini 2. Ça fait et donc نفس الطريق على moins l'infini 2, شنو تلاحظوا؟ سنعرفوا بان on a f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Mizyan. Hadak l'intervalle moins l'infini 2 a une image. Ou عندنا aidan f de moins l'infini 2 d'après le tableau de variation moins l'infini 2, l'image تاعو هو غتقول لي moins l'infini 1. Oui. C'est ça. Donc c'est l'intervalle moins l'infini 1. C'est-à-dire l'image d'elle. Là, pardon. Mais chez moins l'infini 1, c'est 1 plus l'infini. On a plus l'infini. Ou on a plus l'infini. D'accord? Et on a la fonction la décroissante. J'ai même plus l'infini. Donc, on a fait la kda. Et on a fait plus l'infini. Benisbel fx. On a fait la kda. On a fait la kda. On a fait la les deux branches, rahom radin plus l'infini, municipal fx. Et fx sera tend vers plus l'infini. D'accord? Et donc, 9 tariqa dans ce radial ou l'intervalle 1 plus l'infini. Et qu'est-ce que nous plus l'infini 1? Khata. Donc, nous avons 1 plus l'infini. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit 1 plus l'infini. Et l'intervalle, bien sûr, il est inclus dans moins 3 plus l'infini. علاش؟ لأنني أنا محتاج دابا نهضر على جي. دونك جي إي كخواسونت سيغ موان 3 بلس لانفيني. دونك بما أن عندي اختلاف مرة هنا جي إف دي كخواسونت هنا جي كخواسونت. ألوغ جيرون إف واللي هي إتش إي دي كخواسونت سيغ موان لانفيني 2. Et voilà, nous avons terminé ce devoir. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.